Café Calais. Radio Public Café Calais. Radio Public Africain. 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 Mouloula Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Mouloula Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Mouloula Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 27 mars 2019. Vous nous suivez à travers le site web de la RPA, www.rpa.bi. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Remise et reprise ce mercredi entre le nouveau administrateur de la commune Mutimbuzi et celui qui a assuré l'intérim pendant plus de 3 mois. Un membre du parti SNL a été sérieusement tabassé par des Imbonerakure mardi en commune Ruhororo de la province Ngozi. Enfin, les albinos réfugiés burundais au camp de Nakivale en Ouganda souffrent énormément des maladies de la peau. Ils en appellent au secours. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres dans tout de suite avec la présentation Jean-Zénina Hazoué à la cabine de son Fabrice Ndimurukundu. Encore une fois, bienvenue. Après 15 jours de détention, 3 écolières de l'école fondamentale Akamuri en province Kirundo ont été libérées ce jeudi. Les trois jeunes filles étaient accusées par le ministère public d'outrage au chef de l'État pour avoir gribouillé la photo de ce dernier dans le manuel scolaire. Page droit de l'homme, membre du parti SNL, de la colline Yaruninya, commune Ruhororo en province Ngozi, a été passé à tabac par les Imbonerakure dans la soirée de ce mardi. Les proches de la victime l'ont par la suite dépêché à l'hôpital pour recevoir des soins. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. La victime est connue sous le nom de Philbert Baturulimi, de la colline Yaruninya, commune Ruhororo en province Ngozi. Certains habitants de cette colline indiquent c'était vers 21h lorsqu'un groupe des Imbonerakure a arrêté Philbert Baturulimi alors qu'il venait de se séparer avec son frère. Ces Imbonerakure l'ont conduit dans un hangar situé dans une localité appelée Kumatara. Ils ont ensuite encerclé cet endroit pour que personne ne vienne à son secours. Selon toujours ses habitants, Philbert Baturulimi a été sérieusement battu jusqu'à ce que son corps se dilate. Ce mercredi matin, son compagnon du parti SNL l'a emmené dans l'une des structures de santé se trouvant dans cette localité de Garuni pour se faire soigner. Parmi les personnes qui l'ont tabassé figurent Léonard, chef de la colline, Ezekiel, chef des Imbonerakure, Majambere alias Bugesera, Mathias, Serge, Zigamasabo et Bararusasiye. Nous avons essayé de joindre ma mère Birukundi, administrateur de la commune Ruhororo. Son téléphone est sonné, mais personne n'a décroché.
Merci Vicky Chris Ninheretse. Le militaire burundais qui allait être rapatrié de la Somalie est mort suite à un mauvais traitement, la négligence et le non-respect de la vie humaine qui caractérise le gouvernement du Burundi, constate Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Ce politicien déplore l'attitude de son gouvernement pour avoir refusé le rapatriement à temps de ses militaires comme l'avait exigé l'Union africaine. Suivez à ce propos Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. La première chose, c'est d'adresser nos condoléances à sa famille, à la famille éprouvée, au corps de défense et de sécurité, à l'armée particulièrement, parce que c'est l'armée qui a perdu. Nos condoléances au peuple burundais, c'est le Burundi qui a perdu. Deuxièmement, c'est de déplorer cette situation, puisque le gouvernement du Burundi était au courant que 1000 militaires ont été remerciés pour les efforts fournis en ce qui concerne le maintien de la paix en Somalie. À la fin de leur mission, l'Union africaine avait informé le gouvernement du Burundi que ces militaires doivent rentrer. Le gouvernement du Burundi les a maintenus là-bas. Et voilà les conséquences qui sont en train de s'abattre. C'est que ces gens-là ne parviennent plus à satisfaire leurs besoins élémentaires, leurs besoins fondamentaux. Ils ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus se faire soigner quand ils sont malades. Ils sont obligés de faire de longs trajets. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement qui ne les a pas assistés à temps. Ce militaire qui est mort, il est mort par manque d'assistance. Il n'a pas été assisté et nous demandons au gouvernement du Burundi de tout faire pour éviter que de telles situations se produisent sur les militaires qui restent, pour qu'ils ne subissent pas les mêmes conséquences, sinon franchement, ce militaire a été victime de la négligence du gouvernement du Burundi. Tout au moins, il aurait été soigné et certainement qu'il pouvait probablement éviter la mort. Ce qu'on veut demander, en réalité, la famille de la victime devrait exiger au gouvernement du Burundi faire en sorte que cette famille soit réhabilitée par cette question. C'était Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. La réaction de Léonce Ngendakumana intervient donc au moment où adjudant-chef Egide Bizoza est décédé dans la localité de Johar lundi dernier après avoir effectué un trajet d'au moins 20 km à pied alors qu'il avait alerté sur la fragilité de sa santé. Une courte pause puis on continue. Humura Burundi. Page gouvernance à présent dans le feuilleton de la malversation qui s'observe dans la gestion de l'hôpital Rema de Ruyigi. Nous vous parlerons des irrégularités qui caractérisent les critères d'embaucher les employés dans cet hôpital. Une situation qui a des répercussions négatives dans le fonctionnement de cette structure de soins de santé. Le point avec Sandrine Mouliki. Les 17 personnes nouvellement engagées à l'hôpital Rema sont 10 infirmiers, 2 agents du service de recouvrement et 5 travailleurs. Contrairement au personnel payé par le ministère de la Santé, le salaire de ces derniers est directement retiré des caisses de l'hôpital selon nos sources sur place. Les comptes de l'hôpital sont maintenant déficitaires. Le budget de 640 000 normalement prévu pour le staff de 6 personnes payées par l'hôpital est passé à 2 millions. Avant, le budget de salaire était de 640 000 francs par mois. Mais maintenant, dès l'arrivée de ce directeur, il a commencé à demander les pots de vin et à amener des stagiaires professionnels en leur octroyant un salaire contrairement au règlement de l'hôpital. Les licenciés reçoivent 150 000, ceux qui ont un diplôme A2 obtiennent 100 000 francs burundais. Pourtant, le médecin chef de district et le médecin provincial, lui, avait interdit. Après leur deuxième remarque, le directeur a préféré donner les contrats de travail à certains de ses stagiaires sans même leur faire passer un examen d'entrée. Le personnel de cet hôpital s'inquiète des intentions de ce médecin directeur qui veut dissoudre le comité de gestion. Il a même annoncé dans une réunion organisée ce début mars. Il est en train de semer la zizanie parmi le personnel car il ne fait confiance qu'à ceux-là qu'il a engagés. Cela se remarque par le fait qu'il donne désormais
plus de responsabilités à ces nouveaux venus. Il compte même dissoudre le comité de gestion qui avait le courage de s'opposer quelquefois à ce qu'il y fait. C'est une annonce qu'il a faite dans une réunion organisée à leur intention au début de ce mois de mars. Il leur a dit que ceux qui veulent parler le fassent car c'est la dernière occasion qu'ils ont et qu'il va nommer à notre comité de confiance qui ne pourra pas le contrarier. Le personnel de cet hôpital demande aux responsables de la santé de suivre de près la gestion de cet hôpital. Sinon, l'hôpital n'aura plus d'argent pour acheter des médicaments. Nos sources au district sanitaire de Ruigi précisent que cette affaire est déjà au niveau des instances chargées de l'anticorruption. Merci Sandrine Ngouliki. Est remise et reprise son mercredi entre l'administrateur à intérim de la commune de Mutimbuzi en province Bujumbura, Joël Habiambere et Siméon Boutoui, élu par le conseil communal le 13 février de cette année. Nommé par décret présidentiel le 18 mars courant, Siméon Boutoui remplace Damien Valindambi, ancien administrateur de la commune de Mutimbuzi, suspendu le 20 décembre 2018 par le conseil communal de la dite commune pour détournement et mauvaise gestion des biens de la commune. La pénurie du carburant, surtout celui de type mazout, s'observe toujours dans diverses provinces du pays. De plus en plus difficile à trouver sur plusieurs stations-service, les conséquences se font déjà sentir aussi bien dans le secteur public que privé. Plus de détails avec Balthazar Mibour. La disponibilité permanente du carburant laisse à désirer dans la municipalité de Bujumbura. La carence du mazout est la plus remarquable sur presque toutes les stations service. Témoigne un des consommateurs de produits pétroliers à la capitale économique du Burundi. À Bujumbura, le carburant est devenu rare depuis un certain temps. Ce produit est introuvable sur plusieurs stations. C'est la pénurie du mazout qui est beaucoup plus constatée. De nombreux véhicules qui consomment le mazout sont aujourd'hui garés. Même pour nous qui avons des véhicules à essence, nous devons faire la queue pour être servis. On peut manquer de l'essence sur une première station ou encore une autre pour en avoir sur la troisième. Nous vivons cette situation depuis un certain temps. On essaie de s'y adapter. Cette pénurie occasionne des désagréments aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Des travailleurs des ministères qui devraient se rendre en mission à l'intérieur du pays depuis lundi sont restés bloqués à Bujumbura pour manque de carburant de type mazout. Même scénario dans la ville d'Ormongue. Là sont les stations qui possèdent de l'or noir. Le carburant est disponible sur deux stations uniquement. Il s'agit de la station Engen, devenue Interpétrole, qui distribue de l'essence. Pour le mazout, l'unique station qui sert le produit se trouve à Mutambara, sous la station chez Amourache. Mais ce n'est pas n'importe qui peut être servi. Un peu plus au sud, dans la province Makamba, l'on ne trouve ni le mazout, ni l'essence. Seuls les fraudeurs seraient en possession de carburant. Humura Burundi. Les albinos burundais réfugiés au camp de Nakivale en Ouganda sont menacés par des maladies de la peau. Étant dans l'incapacité de se prendre en charge, ces albinos demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. N'est-ce pas Marie-Ange Ilakote? Ces réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda indiquent que cette maladie commence par une petite plaie qui s'agrandit peu à peu. L'un de ces réfugiés exprime leur peur d'attraper le cancer de la peau. La maladie est la première menace qu'on a ici. Les plaies sont causées par le soleil et la vie précaire qu'on mène ici à Nakivale. Ça commence par des petites plaies à la tête et après c'est sur tout le corps. Comme on n'a pas de moyens pour aller se faire soigner, la plaie devient grande et plus tard, c'est le cancer du corps.
Pour le moment, les plus vulnérables sont des enfants. Ils sont au nombre de 34 sur un effectif de 44 albinos qui vivent dans ce camp. Lorsqu'ils vont se faire soigner, ils ne bénéficient que des premiers soins. Les enfants souffrent beaucoup. Si on les regarde, ils sont très malheureux. Lorsqu'on va à l'hôpital, on donne que du paracétamol, alors que le paracétamol ne peut pas guérir les plaies. Nous n'avons pas de moyens pour aller chercher des médicaments dans des pharmacies. Peut-être si on pourrait avoir des médecins spécialistes pour nous aider. Ces enfants peuvent mourir d'un moment à l'autre, car ils souffrent beaucoup. Ces albinos indiquent qu'ils ont besoin des chapeaux, des crèmes pour la peau, des parapluies et des lunettes. Ils ont eu une assistance du président de la ProDH en juillet 2018. Depuis, ils n'ont plus reçu aucune autre assistance. Ils demandent à toute âme charitable de les venir en aide. C'était un reportage signé Marie-Ange Irakodze. Pour clore son magazine, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est devrait urgentement dépêcher une commission d'enquête dans les camps des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie pour s'enquérir de leur situation. Réaction de Vital Chimilimana, délégué général du Force. Pour lui, il revient à cette Assemblée de contraindre le gouvernement tanzanien à respecter les engagements internationaux auxquels auquel il a souscrit. À défaut de quoi, le RACR devrait prendre en main cette question et commencer à chercher un autre pays d'asile où ces Burundais se sentiraient en sécurité. On l'écoute. Compte tenu de la persistance de la violation massive des droits des réfugiés burundais installés en République unie de Tanzanie, nous sommes très inquiets de la survie de ces réfugiés dont une partie est aujourd'hui forcée à rentrer tandis que d'autres sont en train de prendre le chemin d'exil vers d'autres pays voisins. Nous sommes préoccupés par cette situation et nous interpellerons les autorités régionales, notamment l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, de dépêcher une mission parlementaire pour enquêter sur la situation qui prévaut dans les camps de réfugiés burundais en Tanzanie et afin de produire un rapport circonstancié qui va faire des recommandations à l'endroit de la République unie de Tanzanie pour redresser la situation et respecter les droits de ces réfugiés. Nous demandons également au RACR d'initier des actions et des contacts avec d'autres États tiers qui pourront recevoir certains réfugiés et parce que le droit international des réfugiés prévoit que lorsque des réfugiés ne peuvent pas se stabiliser, ne sont pas suffisamment protégés dans un État, ils peuvent être transférés vers un autre État tiers qui est capable de mieux assurer la protection de ces derniers. Et ce ne sera pas la première fois. Il y a des Burundais qui ont été transférés vers d'autres États qui aujourd'hui assurent convenablement leur protection. Et l'autorité tanzanienne aujourd'hui a déjà dépassé les limites parce que lorsque nous avons vu la visite du chef du RACR, nous avions cru que la situation serait améliorée, mais c'est le contraire que nous observons et c'est plutôt la détérioration de la situation qui s'observe. Tout cela est attribuable aux autorités policières, administratives et autres de la République unie de Tanzanie. C'était Maître Vital Chimilimana, délégué général du FORSC. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Mumura Burundi de ce jeudi 27 mars 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à Fabrice Ndimurukundo pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.